Et on se retrouve pour plus de Resident Evil 4. Qu'est-ce qu'on devait faire? Je me rappelle plus du tout. Alors. Ouais, bah oui, on a la nouvelle partie en fait. Parce que la dernière fois, on avait fait tout ça. Tout le côté droit en fait. Donc maintenant, on continue. Est-ce qu'on va. On va à quelle porte par contre? Bon, on va continuer sur la gauche. Parce que je me rappelle plus vraiment en fait. On va voir. Par contre, niveau équipement, on a quoi? Ouais. Ça devrait se passer. Ça devrait se passer. Mais... Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais juste trop charger, en fait. C'est pas grave. Ah, c'est bon. Ouais, le fusil à pompe, on n'a plus rien en fait, d'accord. Ouais, on va rester au flingue, donc les portes. Ah oui, je crois que ça c'est pour revenir, parce que derrière il y a sûrement une chaîne en fait. Il y a sûrement une chaîne qui bloque la porte. Putain, qu'est-ce que c'est noir. Bonne ambiance. Mais cassez-vous les corbeaux. Ils nous attaquent pas les corbeaux? Normalement ils s'attaquent toujours. C'est quoi l'arnaque là de me filer des tonneaux comme ça? Avec des trucs dedans. Pas de piège? Apparemment non. Allez, on avance. Ah putain, labyrinthe. Je me rappelais plus du tout de ça. Par contre, est-ce qu'on le voit sur la map? Ouais, ça va, on le voit sur la map. C'est super simple. C'est pourri. Y a pas des mecs. C'est tout pourri, c'est tout pourrave. Mr. Kennedy, still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Ah, oh là là. Qui ça peut bien être? Je sais pas, Ada peut-être. Je sais vraiment pas du tout de qui il parle en fait. Hein. Je me rappelle plus vraiment quoi. Bon alors, on va à gauche, puis ouais, on descend, c'est bon. Ah, merde! Oh la vache! Ok. Ok, donc on va prendre ça. Ça va aller beaucoup mieux. Il y en a un autre qui arrive, je crois. Un ou deux, je dirais. Oh putain. Je crois qu'ils... On sait pas d'où ils viennent, merde.
Bon, en tout cas, on est dans un cul-de-sac, donc ça, c'est bon. C'est bon pour nous. Le trésor, il est par... Ok, faut monter, puis aller à droite. Oh, cours, cours. Je crois qu'ils sont en train de courir, en fait, contre une paroi. J'ai l'impression qu'ils sont bloqués, en fait. Ou alors ils sont au-dessus. Oh. Putain de merde. Qu'est-ce qui m'a fait peur ce con. D'accord, le truc il est... Le truc il est pas tombé la première cartouche quoi. Oh la vache quoi. Alors, ouais. Eh mais qu'est-ce que ça m'a fait sursauter cette merde. Parce qu'en plus il était même pas derrière quoi. Je crois qu'il est juste apparu en fait. Ah ça c'est bien ça. Oh putain. Oh la vache. Recharge. Oh mon dieu, on est mort. On n'a plus rien du tout, putain de merde. Ok, on va passer à ça. Pas un objet. Non. C'est quoi cette porte? Okay. Ok, je crois qu'on a pris une sorte de raccourci en fait. Bon, faut trouver un moyen pour monter si je me... Oh putain, j'ai complètement loupé quoi. Oh wow, il est mort. D'accord. Comment il crève aussi vite? Comment c'est possible? Très bizarre. Attends, là c'est le début là. Non, c'est pas là. Deux secondes, hein, je regarde la map. On va aller à droite. C'est quoi ça? Ok. Ça sert pas à grand chose. Par là. Oh ben voilà. Putain. Voilà. On n'en parle plus. Très facile. On a dû tous les tuer en fait. Ok. Donc ils étaient bien en train de courir en fait. Oula. Ils étaient bien en train de courir contre la porte. Ah ah.
Mais on en a qu'une seule partie là, il en faut une deux. Oh putain de merde. Oh la patte de merde. Oh la vache, je crois qu'il y en a encore. Ok. Là-bas. Par contre, comment on y accède? Il faut passer par en haut. Il faut passer par là, en fait. Donc, gauche puis droite, je pense. Puis on remonte. Et merde. Oh merde. Oh merde. Ouais. C'est bon, on se casse. Bon, ça va, c'est pas si mal passé. C'est quoi ça? Ornement de chèvre. Ah oui, oui, c'est pour la porte principale. Parce que là, en fait, on est en... Oh. Oh putain, Ada. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Ada, wait! C'est la partie que j'aime pas, en fait, de Resident Evil 4. C'est vraiment ça, en fait. Parce que là, on commence à avoir des personnages qui font... des choses qui sont pas vraiment humainement possibles. Et ils ont des gadgets et tout, genre un peu à la James Bond. J'aime vraiment pas ce côté-là, en fait. Et c'est à partir du 4 que ça a commencé. Je veux bien qu'elle fasse des acrobaties et tout, mais genre avoir un grappin et des trucs comme ça, non. C'est pas bien, c'est pas beau. Ça va pas dans un Resident Evil, en fait. Genre avec ses lunettes qui explosent et qui libèrent un gaz et tout. Non, ça va pas la tête. Laisse tomber, quoi. Ça va, c'est pas James Bond, là. On est dans un Resident Evil, ça a rien à voir. J'aime pas ce côté-là, putain. J'aime vraiment pas, quoi. Après, par contre, je me rappelle plus de l'histoire de pourquoi elle travaille avec Wesker. Parce que ça, c'est vrai qu'elle travaille avec Wesker, mais je me rappelle vraiment plus pourquoi. Je crois qu'elle est forcée parce que... Enfin, je crois qu'elle se force, en fait, à travailler avec lui. Mais je sais vraiment plus du tout pourquoi. Ça, il nous manquait quoi? Il nous manquait une gemme avec ça. Ouais. Par contre, ce qu'on a eu là, c'est quoi? Ornée de nombreuses perles et rubis. D'accord. On peut rien lui mettre. Ok, là on est bon. Là aussi il manque
Ah ben voilà, j'ai rien dit. Ben voilà, c'est très bien. Donc on a deux trucs à vendre qui sont super chers et il y a ça qui manque encore. Ouais, il en manque encore une. Welcome. Welcome. Got some rare things on. What are you selling? What do you selling? Alors. Ça, 20 000, ça c'est bien ça. Thank you. Quand il fait ah, je vais l'acheter cher, je crois que c'est bon en fait. C'est que le truc est. Ah ouais, non. Non. Enfin, non, quand ça doit dépasser les 10 000 en fait, il doit le faire à chaque fois. Le Red 9 me tente bien, mais bon, on a commencé avec le Punisher, donc. On va continuer avec le Punisher. Après, qu'est-ce qu'on a acheté? On n'a pas vraiment grand chose à acheter en fait. Ah ouais, on peut prendre le Magnum, c'est vrai, j'ai oublié, merde. Ouais, enfin, on a ça, tiens. Is that all? Le Magnum, il nous faut le Magnum, en fait. What are you buying? Pour nous rendre les choses plus faciles. Selling? Est-ce qu'on a des trucs à vendre? Is that all? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Voilà. Broken Butterfly, revolver 45 Magnum, très puissant. Faites-vous plaisir. I see you have an eye for things. Guns not just about shooting. It's about reloading. You'll know what I'm talking about. D'accord, je vois pas pourquoi le mec il nous sort ça, mais bon, d'accord, si tu veux. On va le mettre là. Par contre, on commence à avoir beaucoup d'armes. Ça, c'est un peu la merde. Je pense qu'à un moment, on va virer ou le flingue ou la mitraillette. Then come back anytime. Enfin, on verra, quoi. On va aller sauvegarder vite fait. Alors, ok, par là-bas. Il y a quoi là? Il n'y a rien. Attends, par où on passe là? Oh, putain, je suis aveugle. La porte était juste là. On commence à être un peu limité niveau place, mais bon, ça va. On va se débrouiller. Y'a quoi là? Y'a rien. Ah oui, je me rappelle de ça. C'est débile quoi. C'est vraiment débile. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? Merde, c'est pas ça que... Ah ouais. Donc ça c'est fait.